Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous sommes ici dans la commune de Selembao. Nous sommes au sein de l'église Sebko qui est située dans la commune de Selembao aussi. Et là, nous sommes avec les autorités d'une école, une école privée qui est située dans la commune de Selembao encore. L'école, c'est le complexe scolaire Selembao 2. Nous sommes avec les autorités de l'école, il s'agit de la directrice, Madame Manso Couloir, Albertine, la directrice de l'école, et aussi avec un délégué de l'église Sebko, Selembao 2, il s'agit de Monsieur Bosco Lélé. Vous allez voir, juste à côté de moi, il y a des élèves de l'école primaire, de l'école Selembao 2 toujours. C'est avec eux que nous allons animer cette émission. Je tourne vers mes invités. Bonjour, monsieur le délégué, monsieur Bosco Lélé. Bonjour, merci. Bonjour, madame la directrice. Bonjour. Et comment vous allez? Je vais bien. Et comment la santé de l'école? La santé de l'école est... Ok, je suis contente. C'est avec eux que nous allons animer cette émission. Monsieur le délégué, parle-nous un peu de l'école Selembao 2. Oui, en fait, l'école Sebko Selembao 2, c'est une branche de l'église Sebko Selembao 2 qui a été créée il y a de cela 6 ans. En fait, étant une église locale de la Sebko, nous avons la mission aussi non seulement de prêcher la parole de la bonne nouvelle, mais aussi nous avons la mission d'éclairer les contraintes où nous sommes implantés. C'est dans cette vision-là que l'église locale Sebko Selembao 2 a initié, c'était au travers de son œuvre féminine, les œuvres féminines, c'est les œuvres des mamans, ils ont initié l'école maternelle et l'église les a soutenus et au fil du temps, nous étions en progression et actuellement nous sommes à une école qui prend presque toute... tous les niveaux primaires, donc de maternelle jusqu'en sixième primaire. Donc, en fait, en bref, c'est ça pour ne parler que de ce qui est du débit de notre école Sebko Selembao 2. Et madame la directrice, c'est vous la patronne de complexe scolaire Sebko Selembao 2. Parle-nous un peu le débit de l'école et c'est-à-dire combien de temps que l'école existe au sein de la commune de Selembao. C'est moi qui ai fait la présidente. Ok. Ah, c'était votre initiative. Oui, ma initiative. Ok. Nous avons écrit la visite de l'église, nous avons écrit à l'église, l'église est dans la République, et nous avons commencé avec l'école maternelle. Puis les résultats, les parents ont demandé à l'école primaire. Comme il n'y avait pas vraiment d'espace, nous avons commencé à la première année en progression. Tous les moments, nous avons essayé de conclure l'école primaire. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas d'espace. Parce que avant, vous étiez où? Nous étions à la maison de la famille de papa, à la maison de la beauté de maman. C'est là, au sein de l'église. Au sein de l'église, oui. Il y avait ça là-bas. Là, nous avons mis l'école maternelle. Et la deuxième année, donc nous, il y avait ça, la deuxième fois aussi, la deuxième salle de l'école, la première année. Okay. Et les années, là, nous avons deux états pour l'école. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a excité? Parce qu'il y avait d'autres choses à faire, peut-être créer, peut-être la création, comment je peux dire, boulangerie. Mais la pensée est venue de créer une école. C'était pourquoi? C'était pour quel motif? Notre idée, c'était pour la Ok. Pas seulement de l'apparence, mais de l'environnement. Si je peux la compléter, donc en fait la vision de l'Église d'une manière générale, c'est la formation de l'homme, la formation holistique, non seulement le corps, mais l'âme, non seulement l'âme, mais l'âme, le corps et l'esprit. Donc nous voulons former tout l'homme. Donc c'est ce qui a fait que l'Église, lorsque la maman a pris l'initiative au niveau des lèvres féminines, l'Église a trouvé que, parce que c'est parmi aussi le projet, c'était parmi les projets à long terme de l'Église, l'Église n'a pas hésité pour prendre cela en charge et pour appuyer l'initiative.
Et étant donné que nous avons la mission de développer les contraintes, vous savez, les milliers où nous sommes, c'est un millier plus ou moins de démunis, hein, plus ou moins, je pourrais dire, donc où il n'y a pas assez de moyens, les familles n'ont pas assez de moyens. Nous avons trouvé, bon, l'idée était bonne, l'Église a soutenu et on a lancé cette école. On a commencé sur place et c'est comme ça que plus on progressait, l'Église a pris l'idée de louer maintenant. Actuellement, nous louons des locaux où nous avons casé, où nous avons casé nos salles de classe. Donc c'est un peu ça. Et c'est déjà depuis combien de temps comme ça? C'est la deuxième année qu'on a déjà des locaux. Deux ans, vous avez des locaux. Oui, oui. Et l'école a été implantée ici à Célimba. Sur place, il y a deux bâtiments à l'extérieur où on a commencé avec l'école maternelle. En quelle année? C'était en 6 ans, donc disons 2017-2018. Donc c'est ça. On a commencé sur place et la qualité de la formation, parce que au fait, la maman, c'est une éducatrice maternelle. Elle encadre aussi les monitrices, hein, de maternelle. Et c'est vraiment sa vocation. Donc, plus elle encadrait, et les gens du contraire ont trouvé que c'était intéressant. Ils nous ont demandé si on ne pouvait pas, au lieu de laisser les enfants qui finissaient en troisième maternelle d'aller étudier ailleurs, ils ont sollicité que nous puissions ouvrir les classes de primaire et c'est ainsi qu'on a progressé. Et lorsqu'on est arrivé au niveau de quatrième primaire, on était débordé au niveau de l'église, puisqu'il ne fallait pas continuer est vrai au sein de l'église. On les a loués des locaux pour permettre à ceux qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, plus confortables, bien que nous sommes toujours en train de performer les choses, mais sinon déjà cet espace nous réjouit un peu par rapport à l'endroit, par rapport au lieu où c'est ce mieux par rapport aux élèves. Je tourne vers Madame la directrice, aujourd'hui l'école compte combien d'élèves aujourd'hui? Aujourd'hui, l'école a combien d'élèves? Vous comptez combien d'élèves au sein de l'école? 125 élèves aujourd'hui. Mais l'école peut contenir combien? Le nombre, la capacité? Même c'est 240. 240, vous avez aujourd'hui 125 élèves. Ok, je tourne vers le délégué. Aujourd'hui, il y a eu coordination qui, au sein de la communauté, qui soutient l'œuvre dans le secteur de l'éducation, bien sûr. Mais voir les images que nous avons vues de l'école, on craint fort, parce qu'on voit d'abord la viabilité. On s'est dit, est-ce qu'il y a une bonne qualité de l'enseignement au sein de l'école SEBCO Célimba? Oui, la qualité, là, il ne faut pas se tromper. La qualité, il y en a. La qualité, il y en a, parce que je peux vous garantir, si vous sillonnez les écoles environnantes, vous allez trouver que nous avons une bonne qualité, une bonne formation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les parents qu'on a commencé avec eux, ils n'ont pas voulu que leurs élèves aillent étudier ailleurs. Ils ont sollicité pour que l'église puisse ouvrir les autres niveaux, les niveaux primaires. C'est là où nous aussi, nous avons dit, bon, ça va, on peut opter pour cela. Donc la qualité, ne vous en faites pas, la qualité y est. Et au niveau de la coordination, nous sommes encore une école privée de l'église locale SEBCO Célimba Oudé. Ce n'est pas privé de l'église locale, parce que il y a le secrétariat général, il y a la coordination au niveau national, mais nous ici c'est une œuvre de l'église locale qui ne dépend actuellement que de l'église locale. Donc c'est l'église locale qui en prend en charge. Jusque là, on n'a pas encore assez de moyens, mais c'est l'église locale avec les petits moyens qu'elle a qui prend l'école en charge. Il loue les bâtiments pour eux, il essaie un peu de compléter pour financer la paye des enseignants. Donc c'est un peu ça. Oui, vous êtes là, vous représentez SEBCO, oui. Dans ce qui concerne le secteur de l'éducation. Moi, j'aimerais bien vous demander, explique-moi un peu, comment ça se passe avec SEBCO, avec ces écoles. Dans l'histoire du Congo,
Moi, je dirais que la Sebeco, qui est implantée au Congo depuis 1878, sous l'appellation LIM, Livingston Island Missionary, c'est une grande communauté qui a toujours vocation de l'éducation, d'encadrement des enfants. Donc si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est la Sebeco, ce n'est même pas, moi je dirais, ce n'est même pas l'autre église que vous pensez qui est la première à œuvrer dans le secteur éducatif. Donc c'est la Sebeco qui a commencé toutes ces choses-là. Et actuellement, il est resté derrière. Bon, on peut pas vraiment. Je ne firme pas, mais je sais que nous avons une bonne coordination. Mais ce qui est vrai pour nous, au départ, on ne commence pas directement avec la coordination. C'est tout un processus. Nous devons, nous, au niveau de l'église locale, nous faire affilier au niveau de la coordination. C'est alors que la coordination qui a une convention avec l'État pourrait à ce temps-là nous prendre en charge et essayer un peu de faire peut-être mieux. Mais nous organisons d'abord. C'est que non, la coordination vous dit Bunda. C'est-à-dire Bunda Yomoko Longa, après lui fait venir maintenant maître. Bunda Longa, c'est aussi une manière de faire. Donc vous ne pouvez pas, être toujours. Ou être toujours dépendant dès le départ. On doit aussi voir qu'est-ce que vous-même vous avez fait au départ. Donc ça, c'est une manière de faire aussi que nous acceptons, parce que nous ne sommes pas une... Ça fait déjà plus de 35 ans que nous sommes implantés dans ces contrées ici. Nous devions aussi, nous, étant qu'église locale, montrer de quoi nous sommes capables, et après, la communauté, et à travers la coordination, pourrait nous venir en aide. C'est que nous avons une vision tout à fait large. Nous savons que ça ne va pas, c'est d'un qu'un débit, mais après, ça va être beaucoup plus viable, beaucoup plus encore intéressant. Et par rapport au débit. Madame la directrice, je viens vers vous voir les élèves, le nombre. Et comment vous fonctionnez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez face aux parents? Pour les difficultés, c'est le paiement des frais scolaires. Et puis il y a beaucoup de parents jusqu'à présent qui n'ont rien donné. C'est-à-dire même pas un fonds. Même pas un fonds. Les enfants étudient gratuitement. Parce que l'école, c'est une école privée. Là, il n'y a pas la gratuité. Quand vous dites qu'ils n'ont rien payé, c'est qu'ils n'ont même pas un franc. Et puis, il y a d'autres parents qui sont là pour acheter les objets classiques qu'on avait demandé aux enfants. Ils ne payent pas ça, ils ne donnent pas ça. Nous souffrons de ces côtés. C'est pour nous demander s'il y a des gens qui peuvent nous porter en aide. Prendre en charge quelques enfants, peut-être ça sera bien. Madame la directrice. Nous parlons des difficultés de payer les frais, même les objets classiques ne parviennent pas à payer cela, donner aux enfants. Il y a des fois vous êtes en classe. Mais il faut qu'il y ait une collaboration entre les parents. On le fait. Comment vous organisez pour au moins comment éveiller les parents? Parce que les parents ils doivent être conscients que non, on doit prendre nos enfants en charge. Mais quand ils ne le font pas, que fait l'école pour exciter les parents? Il y a des réunions des parents. Nous avons déjà fait ça deux fois. La première était au mois d'octobre. Et la semaine est passée, c'était le dimanche, nous avons convoqué les parents. Les uns étaient venus, les autres n'étaient pas venus. Ouais, nous avons des difficultés. Même si vous voyez une convocation à l'enfant, les parents ne viennent pas. Nous avons des difficultés de ce côté-là. Ce sont vraiment les parents qui sont vraiment trop difficiles pour comprendre. Nous avons des enfants qui sont très intelligents, mais les parents négligent. Les parents ne sont pas responsables. Et monsieur le délégué, dites-nous un peu, madame la directrice parle des difficultés. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela?
En fait, le problème que nous avons, j'avais dit tantôt que nous avons, nous sommes dans un milieu un peu compliqué ou un milieu un peu démuni. Nous n'avons pas assez de moyens. Et c'est ce qui se fait montrer par rapport au paiement de frais des parents. Je vous dis, comme la madame la directrice l'a si bien dit, depuis la rentrée, il y a même des salles où, avec une salle de 30 élèves, vous voyez, 20 élèves n'ont pas encore donné même un franc, même un sou. Alors qu'on ne demande pas assez. Seulement pour la première tranche, ils ne versent même pas. Donc, on a essayé un peu de créer une communication à travers les comités des parents que nous avons organisés. Et on a même institué l'initiative des cartes qu'un parent peut venir donner chaque jour, même 1 000 francs, pour soutenir les frais de ses enfants. Malheureusement, on a facilité. Vous vous dites ça, la facilité, mais pour « et », il ne bouge pas. Donc, c'est ça, la grande difficulté. Or, l'école ne peut pas fonctionner sans les moyens. L'église aussi, étant dans ces milieux-là, l'église aussi n'a pas assez de moyens. L'église fait déjà assez parce qu'il prend déjà en charge le frais pour la location de l'espace. Des fois, il contribue pour aménager les salles, acheter des bancs, mettre des portes au niveau des salles qui n'avaient pas de portes. Donc, on a construit des latrines parce qu'il n'y en avait pas. Donc, l'Église continue à investir. Malheureusement, les parents ne sont pas soutenus par les parents. Donc, c'est ça notre inquiétude. Notre inquiétude, donc... Je reviens à vous. Nous allons suivre juste quelques minutes les images qui seront balancées. Et puis on va revenir juste après. Oui, mesdames et messieurs, nous rentrons sur ce plateau, nous sommes avec nos invités et nous continuons l'émission. Ici, c'est l'émission, souvent nous parlons que de l'éducation, c'est rien d'autre que l'éducation. Alors, je tourne vers mes invités. Monsieur le délégué, dites-nous un peu, aujourd'hui, l'école passe des moments difficiles, vous le dites financièrement, et qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela? Pour pallier à cette situation, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? En fait, c'est cette émission, moi, je pense que c'est un cri d'alarme que nous lançons à l'endroit de gens de bonne volonté, parce que l'Église étant limitée par les moyens qu'il a, parce que nous avons des pasteurs, des personnels que nous prenons aussi à charge, on a eu l'initiative d'aider aussi les contraintes par rapport à l'éducation. Mais les difficultés continuent à nous suivre et c'est pourquoi nous avons, nous profitons de l'émission, de cette émission, de votre émission, pour solliciter les gens de bonne volonté qui peuvent nous aider en nous donnant assez de moyens, les gouvernements, les ONG, les organismes et tous ces gens-là qui peuvent nous venir en aide, ils seront les bienvenus pour essayer d'aider et l'école et les enfants. Parce que, comme la directrice l'a si bien dit,
il y a les enfants qui sont intelligents, qui pourront servir ce pays un jour. N'oubliez pas, dans les milliers de mini, il y a beaucoup de phénomènes qui se créent, tels que le phénomène Kuluna, et qui est de plus en plus répandu. Si nous ne faisons rien par rapport à ces enfants, demain, qu'est-ce qu'ils seront? Mais nous, nous voulons assurer un avenir meilleur pour ces enfants, et nous-mêmes, nous ne serons pas. Nous avons contribué, mis notre pierre, et nous cherchons encore d'autres gens de bonne volonté, que ce soit la diaspora, tout le monde. Nous, vous serez les bienvenus. Venez parrainer ces enfants, par exemple. Vous dites que non, moi, je prends un enfant en charge et je vais payer l'année. L'année, ce n'est même pas exorbitant. C'est pratiquement comme la gratuité, mais c'est un petit rien pour, parce que les enseignants et autres ne sont pas de notre église ni de notre communauté. Ils sont les professionnels de leur métier. Ils ne vivent que de ça. Et dites-nous un peu le niveau de vos élèves. C'est comment? Il y a, je peux dire, il y a trois niveaux, hein. Oui. Moyen, faible, et les doués se sont là. Oui. Il y a des élèves qui travaillent très bien. C'est ce que j'avais dit, que les parents ne supportent pas les enfants. Surtout quand on donne les devoirs, les parents ne surveillent pas tout ce qu'on donne aux enfants comme devoirs. Les enseignants ont des difficultés. Il y a, bon, certains parents, mais d'autres, les autres parents, en tout cas, ne suivent pas l'évolution de leurs enfants. Quand nous remarquons quelque chose, nous envoyons les avis, les convocations aux parents. Il y a des parents qui répondent et d'autres qui ne répondent pas. Et nous avons des difficultés. Et nous profitons aussi pendant les signatures des bulletins, hein, pour que l'entretien entre. C'est là où on peut s'entretenir avec les parents. Les uns viennent, les autres ne viennent pas. Pour s'enquérir le point de leurs enfants, ils ne viennent pas. Alors, j'espère que ce qu'on va faire pour ces parents. Nous avons tenu des réunions. Et mais comment jugez-vous d'abord l'environnement en ce qui concerne l'éducation? Bon, l'environnement n'est pas du tout bon. Les parents ne suivent pas les élèves, leurs enfants. Ne suivent pas leurs enfants. Oui, je tourne vers Monsieur le délégué. Oui. Vous êtes d'abord, vous avez deux casquettes, l'école et l'église. On prend les deux ensemble. Comment jugez-vous l'environnement, la population de Selembao, en ce qui concerne le secteur de l'éducation? Comment jugez-vous cela? Non, bon, en fait, Selembao, c'est, comme je l'ai dit, la difficulté de Selembao, c'est au niveau des moyens. Il n'y a pas assez de Selembao, c'est plus des commerçants, hein, les gens. Plus ils sont dans les commerces, mais dans le secteur de l'éducation, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est ce qui fait que beaucoup ne savent pas suivre les enfants quant aux devoirs à domicile qu'on leur donne, parce que eux-mêmes au départ, des fois, ils n'étaient pas aussi formés. Donc, mais nous, étant qu'église, d'ailleurs, c'est notre mission. Notre mission, c'est sauver l'homme. C'est sauver l'homme, non seulement sur le plan de l'âme, mais du corps, de l'esprit. Nous faisons les efforts. C'est pourquoi les SEDECO ne s'implantent pas seulement dans des milliers IP ou les gens de bonne vie. Non, nous sommes partout pour essayer de sauver partout aussi. C'est la raison pour laquelle nous associons les prédications, les formations au niveau de l'Église, mais aussi les formations au niveau de l'éducation telles que l'enseignement. Vous verrez, dans partout où il y a la SEDECO, il y a aussi des écoles. Donc, nous visons aussi la formation, parce que si les gens ne sont pas formés, nous aurons aussi du mal à leur communiquer les Écritures saintes. Donc, les gens doivent être formés au préalable, étant donné que nous utilisons la langue française, nous utilisons peut-être l'anglais ou consort. Les gens doivent être formés pour essayer aussi de comprendre ce que les Écritures saintes disent. Donc,
certains milliers, je dirais. Avec le temps, les choses commencent un peu à changer, à évoluer, parce qu'il y a une certaine migration. Les gens qui vendent peut-être à Kassavubu, à Barumbu, tout ça, ils viennent acheter. Il y a une certaine évolution, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions atteindre les niveaux acceptables par tous. Mais sinon, chez nous, une fois les enfants sont partis à zoo, au zoo pour une visite guidée, et les gens qui étaient là ne s'en revenaient pas que ces élèves venaient de Selemba. Et à Selemba aussi, les enfants peuvent s'exprimer comme ça. Donc c'était bien pour nous, c'était une fierté pour nous de former de cette façon. Non, nous avons des enseignants qualifiés, des jeunes gens. Certains même sont dans leur débit, mais avec l'encadrement qu'ils ont de la directrice. Parce que je vous ai dit que la directrice, c'est une experte à la matière. Donc, c'est une formatrice des éducateurs maternels. Donc, elle a une expérience vraiment nourrie, très enrichissante. Moi, je pense que ces jeunes gens-là sont très bien encadrés, seulement ce sont les moyens qui nous manquent, la motivation. S'ils ne sont pas motivés, quel que soit tout ce qu'on peut faire, des fois, certains nous ont même quittés à cause du manque de moyens, à cause du manque de moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à lancer ce cri d'alarme. Nous voulons que nous ayons vraiment des moyens pour aider ces enfants. Nous avons vraiment de douleur dans l'âme de voir, imaginer sur 100 élèves, si on chassait 80, comment est-ce que l'enseignement va évoluer. Donc c'est compliqué. Et votre aide sera le bienvenu. Chers dirigeants du pays, les ONG, vous tous qui avez cette bonne foi-là, venez nous aider pour que cette école puisse c'est pérennisé, sinon ça va fermer bientôt là, donc ça ne sera pas une bonne chose. Je tourne aussi vers mes invités. J'avais bien dit qu'il y avait des élèves de l'école primaire qui sont là, qui sont venus nous accompagner tout au long de cette émission. Et je vais poser à chacune de personnes une question. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mignot et je vais devenir joueur. Joueur? Ah, joueur, bien sûr, ok. Bravo. Et toi là, dis-moi. Je m'appelle Lukalangama. Lukalangama, oui. Je vais devenir docteur aussi. Docteur aussi. Et la grande là-bas au fond là, dis-moi. Je m'appelle Sister Prefina. Non, je t'entends, dis pas fort. Je m'appelle Sister Prefina. Je veux devenir docteur. Docteur aussi. Ah, il y a beaucoup de docteurs, hein. Je tourne vers mon garçon qui est là. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dan Bomba Epine. Je vais devenir enseignant. Enseignant? Ah, bravo! Il y a encore un enseignant là. Et je viens vers toi, ma grande. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ariana Moussono. Je vais devenir couturière. Couturière. Ok. Il y a une couturière là. Et toi, ma grande? Je m'appelle Maca et Pauline Francis. Je vais devenir enseignante. Enseignante aussi. Nous avons déjà deux enseignants là. Et la grande là, la jolie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel Mbongombon, je vais devenir infirmière. Infirmière. Et la grande? Je m'appelle Miradi Kandibou-Massas, je vais devenir journaliste. Aïe, c'est ma pension là! Ah, j'ai bien une pension. Une pension journaliste. Aïe, mon garçon là, c'est pas, alors quoi? Je m'appelle Toumbou Arveyogi, je vais devenir maçon. Un maçon. Oui, vous avez entendu les enfants? Chacun a un avenir devant lui. D'autres seront des docteurs, d'autres seront des maçons. Il y a des couturières et des couturiers. Il y a aussi des journalistes. C'est que ceux-là qui suivent l'émission, vraiment, il faut soutenir ces enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Et si vous soutenez ces enfants, Dieu ne manquera pas à ajouter plus dans vos vies. Et je tourne vers le responsable de l'école. Monsieur le délégué, vous avez entendu les enfants parler. Et qu'est-ce que vous avez senti? Vraiment un sentiment, je pourrais dire,
beaucoup plu. Et donc ça m'a émerveillé d'entendre les enfants parler librement de ce qu'ils veulent devenir dans l'avenir. Ça me va droit au cœur, et mon souci et mon souhait est que cette rêve puisse devenir réalité. Je sais que pour devenir une réalité, c'est tout un processus. Ça passe vraiment par les soutiens qu'ils doivent bénéficier. Et je crains fort que cela ne puisse pas se réaliser par rapport à tout ce que nous avons dit ici, où nous avons des parents qui ne savent pas suivre les enfants, et même sur le plan financier, ils ne donnent pas, ils ne payent pas les frais, et l'école sera contrainte peut-être de les chasser. Or, ça sera des rêves qui vont s'envoler. Raison pour laquelle nous continuons à demander à tout le monde si nous pouvons faire quelque chose, parce que nous en faites déjà, et vous aussi, si vous voulez le faire, ça sera une bonne chose. Vous, j'ai dit à vous, les auditeurs ou le téléspectateur qui nous regarde, si vous pouvez faire quelque chose, moi je pense que Dieu va vous bénir. Je sais que chacun a sa charge, mais si vous prenez une charge à laquelle vous n'attendez pas au retour, Dieu lui-même va vous prendre en charge, lui aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez nous contacter, nous allons donner nos numéros. Bon, merci. J'ai vraiment entendu ce que l'enfant a dit et ce qu'il fera plus tard. Je suis très contente. Je demande à Dieu d'aider ses enfants et d'aider sur les parents d'avoir des moyens pour soutenir leurs enfants. Et nous demandons aussi aux gens de bonne volonté de nous aider. C'est l'avenir de demain. Bon, je disais, à ce qui nous concerne les coordonnées, ceux qui veulent nous atteindre, ils peuvent nous appeler dans ce numéro, les 090 14 35 638. C'est le numéro qui a aussi WhatsApp. Vous nous appelez, nous allons vous donner des plus amples indications pour que vous puissiez aider l'enfant de votre choix. Donc nous sommes là, vraiment disposés à recevoir les dons, les aides de tout le monde. Merci une fois de plus de nous avoir suivis, et que Dieu puisse vous bénir d'abondamment. Les gouvernements et les ONG, la diaspora, tout le monde. Donc vous pouvez nous contacter, nous sommes disposés pour vous recevoir. Merci beaucoup. Je suis le diacre de l'église Sebeko Selemba II, et je suis percepteur aussi de l'école primaire Sebeko Selemba II. Je me nomme Monsieur Sami Sakibanza, et je suis percepteur à l'école. Juste, je vais un peu parler pour les parents. Les parents vraiment n'ont pas vraiment la volonté de venir payer. Et c'est pour cela que j'annonce aussi ce cri d'alarme aux parents de venir payer. Parce que c'est comme aujourd'hui, j'ai réceptionné seulement un parent qui est venu payer. Et je ne sais pas les autres qu'est-ce qu'ils attendent. L'école aussi puisse partir de l'avant. Et les contrôles aussi soient développés, disons le quartier ici, le quartier Nkoulou. La commune de Selemba aussi s'est développée comme d'autres quartiers. Moi, j'enseigne en sixième primaire, et nous travaillons pour que l'élève puisse aller vers l'éducation des bas 7e et 8e. Donc, on se bat d'abord à relever les défis, relever ce qu'il a raté ailleurs, et commencer maintenant à lui donner les leçons ou les matières de la classe qu'il est en train d'occuper. Et la seconde difficulté que nous rencontrons ici, c'est au niveau de frais. Nous sommes enseignants, c'est le travail que nous faisons, c'est avec ce travail que nous vivons aussi. Et les parents que nous avons ici, ils ont un peu de difficultés pour payer des Minerval et tout. Et ça cause aussi du tort à l'école afin de s'occuper ou de prendre en charge les personnels que nous sommes. Et c'est alors qu'il y a certains de nos collègues qui nous quittent
parce qu'ils ne supportent pas au moins peut-être les conditions que nous passons ici. Et, mais au moins, on est là encore, on se bat pour promouvoir l'éducation des enfants et faire épanouir notre école. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et si chacun de parents, chacune de personnes qui va suivre cette émission peut parrainer ses enfants qui sont là, il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des enseignants, c'est vraiment une bonne chose. Et Dieu va penser aussi à vous. Et là, c'est aussi contribuer pour l'avancement de l'école. Et je vous dis de venir vraiment contribuer pour cette école. Je dis merci aux héros qui sont derrière la caméra. Il s'agit de Tony Binda, il s'agit de Shomi Kassiama. Je vous dis merci et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Au revoir, à la prochaine.